Bon, la journée commence ici. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord un petit coup d'aspi. Devinez qui est-ce que j'ai pris avec moi. Je vous laisserai découvrir sur place. La deuxième douloureuse, elle est là. Passage à la pompe. Et après, enfin, on va pouvoir kiffer la journée. Et allez, c'est parti. Oh, ça y est, hein. On est Al. Voilà, vous savez qui c'est maintenant. On est avec Fianso. On est là, retour. On reprend du service. Ça, c'est une très bonne nouvelle en même temps que ce rassemblement à Spa-Francorchamps. Et la bonne nouvelle, c'est aussi qu'on vient de changer mon feu gauche. Et l'ampoule a encore cramé, parce que ça fait deux fois qu'on change l'ampoule de sa mère. Ouais. Donc je pense qu'il doit avoir un faux contact, une masse ou quoi. Parce que c'est sûr, c'est pas nous, parce que les deux masses qu'il y a dans la voiture, elles font pas partie du circuit, donc normalement, non. La masse 1. La masse 2. La masse 2. Et la masse d'un. Détente avant d'arriver sur le circuit. Ouais. Franchement, ce skyline là en violette, c'est vraiment, quelque chose. Elle est vraiment belle. Magnifique. C'est vrai. Elle est belle. Ouais. C'est vraiment quelque chose. Après, forcément, il y a aussi un beau RS6 qui est RS4 pardon. Dans le Grinardo, il fait très mal. C'est une Hyundai Genesis Turbo. C'est comme une sac. Tu sais à quoi je pensais au début? Sur le de profil, je pensais à une GT86. Ça ressemble à l'autre. Est-ce qu'il arrive à côté de la E36? Eh oui! Chose qui vont se passer ici là, c'est quelque chose. Armitrix, Shift Tech pour les reprogrammations, il y a vraiment de tout, avec des véhicules qui viennent des quatre coins du monde limite, parce que franchement il y en a même qui viennent du Japon, il y en a qui viennent de Suisse, de Belgique, de France, d'Australie. Il y a vraiment du beau monde qui est attendu ici, sans vous parler des belles voitures. J'en place une pour toi Nico, merci beaucoup pour le rassemblement que tu as créé, parce que sans toi il n'y aurait pas tout ce beau monde. Et là aujourd'hui tu vas faire plein d'heureux, les passionnés auto, je peux te dire que qu'ils vont être au bonheur là, franchement aux anges. Et là ce sont mes jantes de la Mama Violetta, c'est un plaisir de les revoir. Voilà, en attendant Nico, on s'est placé à côté de sa voiture. Ça, vous avez deux 36 Pandem côte à côte en attendant. Respect aussi à toi gros, parce qu'elle est vraiment belle. Côté de sa sœur jumelle. Donc la terre qui fait très mal aussi. Beau petit arceau. Ça c'est beau.
j'espère te croiser aujourd'hui, frère. C'est quoi ça? Le garage, ouais, les joints, c'est une qualité de malade. C'est une qualité de malade. Mais regarde, c'est pas fini. Si. Ouais. Bon, pour tous ceux qui sont pas là au brûleur de gomme numéro 3, sachant que nous on a fait les 3, vous comprendrez qu'au 4, il faudra pas le rater. Quelque chose. Ça se trouve là, celle-là, je l'ai vue en photo. Je savais même pas qu'elle était possible ici. Tu l'as déjà vue, celle-là, tournée là, la Ferrari posée. C'est vraiment quelque chose. T'achètes une féfée, tu la poses comme ça, t'es cool. Hein. Combien elle fait déjà cette S2000 pour rappeler s'il te plaît? 600 chevaux. 600 chevaux de turbo. C'est abusif à commencer beau. Regarde les jantes comment elles sont larges. C'est une voiture moderne. C'est fou, c'est très cher. Celle-là, je crois. Là, vous avez en face de vous, je crois, parce que c'est la 9FF qui était présente, prévue pour aujourd'hui. 1700 chevaux. Dans ça, vous imaginez ou pas? Nico, on va aller dire bonjour. C'est limite choquant, Pierre, d'avoir autant à le même endroit. Putain, 309 celle-là. Ah ouais, 306 maxi, c'est le Mercedes aussi. Ah, celle-là avec le petit kit et tout, frère, je repense à taxi. Ah ouais, quand Daniel il double avec sa 406 là. Et là, c'est mon rêve, frère. Ça, c'est. Il va faire halal. Chacun a envie de foutre la merde aussi. À l'ouest la plaque galette. Ouais, elle fait délirer celle-là. La peinture elle est magnifique en plus. Tu bats toutes les batteries qu'il faut. Toutes les batteries, wesh.
Il y a une centrale à l'arrière, frère. Tu mets une masse là, plus à moi. Souvent ces caisses là ils mettent des miroirs en dessous, parfois tellement c'est propre. Qui a commandé des baguettes? Et toi? Je voulais me mettre à côté de toi, mais ça va gêner de ouf. Bah en plus, même nous, on va devoir bouger parce qu'il devait mettre en VIP ici et il m'a dit ça a été le branle-bas de combat, tout le monde s'est mis là. D'accord. Donc en attendant, je suis là-bas. Et s'il y a une place qui se libère, je vais me décaler là-bas. Ok, bah parfait. Bah moi, je vais me mettre là-bas. Vas-y, ça roule. Les beaux gosses! Aïe aïe aïe! Les beaux gosses! Bisous! Mon petit bataillon! C'est un chat, ouais. En pick-up avec l'arçon rouillé et tout, frère. C'est quoi? Carrément. Ouais, il est chaud. Une petite cacahuète en turbo, ça doit être quelque chose. Oh, franchement, parfois. Ça, je l'ai vu sur Internet. Je l'ai vu sur Internet aussi, ouais. Vous avez fait un reportage?
que dans les jeux tu kiffes et quand tu vois en vrai. Chauffe. C'est quelque chose. Deux projets des petits carreaux avec cette ferme aussi par les petits carreaux. Lieu la petite séance photo avec Papa Georges et ses trois modèles exposés ici. Ah ouais. D'ailleurs la RX7 je l'avais pas encore vue, ça fait super plaisir. Trois fifi. Hein. Et elle me fait manquer le violet là, parce que le violet il est beau aussi. Papa Georges a fait vraiment du beau travail. Eux qui font encore les cons comme d'habitude. Et la Camille qui sort tout juste de peinture. Franchement encore un très très beau travail. Regarde. Tu sais, ils mettent les bobines de R8 aussi. Les bobines de R8 Audi R8. Il n'y a même pas de phare. Tu sais, à 2000 direct, je vais la mettre à 2000 pieds dans la maison. Je pense là, je m'en sortirai vivant. Ouais, merci beaucoup. Quoi de plus beau qu'une journée avec le poteau Sofiane, franchement. Il est fou là. Ah là, on est vraiment bien. Petite balade sur les paddocks, avec des belles caisses, des gens super sympas. D'ailleurs, je vois, il y a trop de choses à voir. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Limite, c'est un rassemblement qu'il faut qu'il se passe sur deux jours. Franchement, ah ouais. Il y a des super beaux projets,
des belles caisses. Les gens sont super sympas. Et ce que je voulais dire, c'est que je vous remercie tous parce que ça me fait super plaisir que vous veniez me dire bonjour. Parce que j'ai fait un peu ce voyage pour vous, donc vous croiser ici, c'est vraiment un des bonheurs que j'attendais ici. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. N'importe quoi. Carrément n'importe quoi, frérot. C'est du n'importe quoi. Ah ouais. Ça part loin. On part, regardez. Taxi, là. Ah ouais, taxi, regarde. Salut Daniel. Ça a trippé. Regarde, celle-là, elle vient de passer chez Akram, tu vois. La grenouille là-bas, là. Celle-là, elle vient de passer chez Akram. C'est lui et sa femme qui ont fait une déco et. Ils l'ont bien faite, franchement, ils l'ont bien faite. Bon, nous, on cherche un truc à manger. La ligne d'arrivée du spa Francorchamps, c'est là où les gens se lancent à fond. Avec la famille, medical car. Bon là on essaie d'atteindre ce lieu. Mais comment? C'est compliqué. On a faim, on a envie de faire pipi, ça fait 20 minutes qu'on cherche. On s'embarque dans des trucs, on sait même pas où on va ça. Mais... Let's go. Ça fait flipper. Voilà, on est dans le vent, frère. Ah ouais, tu vois. Regarde tous les voitures de... Et ce bordel. Ah ouais, les Porsche. Je suis mieux dans une des entrées. Voilà. Je sais pas, ouais. Lui doit en avoir des belles. Là. C'est même pas sûr qu'il y en ait une, tu sais. Ça va. Ouais, ça va bien, ça va. Qui? Elle, la voiture. Ouais. Elle est bien montée. Qui dit. Ouais, c'est bien. En fait. Ah, je crois qu'elle avait pas réussi à monter. Ah,
petite pensée à Sofiane, elle ressemble un peu à son ancienne. Elle est vraiment jolie celle-là. C'est toi Salim non? C'est bien moi ouais. Tu sais bien que je t'avais sur mon Facebook. Tu t'es mis où avec ta voiture? Je suis au niveau des paddocks de Formule 1 là-bas là. Faut okay. Que tu remontes et tout, tu vas tout. Là en fait tu vas descendre ouais. À gauche. Ouais. Tu vas tout droit, tu passes le stand, tu vas toujours tout droit. À un moment donné ça te fait une montée. Et là t'arrives où il y a toutes les grosses caisses et tout. Après ça change pas fort pour remonter. Ça reste un petit M3 quand même hein. L'inox dessus. Il y a un silencieux. C'est un beau bruit. Hein. C'est même pas la Ferrari, frère. C'est la Civic qui fait ça. Ouais, mais c'est trop le moteur dedans. Ouais. C'est incroyable. Hein. C'est l'admission qui fait bizarre en fait. C'est énorme. De malade les caisses qu'il y a ici, franchement c'est un truc de fou. J'ai jamais vu autant de monde au même endroit, franchement il n'y a que des caisses de malade. Comme ça, il y a moins un monte à deux là-dedans. Bon, juste pour voir le circuit, frère. Ouais, l'embrayage, là. Ah ouais, ça. Je sais pas si c'est la GTR ou quoi. Ouais, je le silencieux, t'as vu? Il est vers le bas.
caméra, elle passe mieux qu'en photo, elle est belle. Et il faut encore attention. Je sais pas, frère. Vous donnez une idée. C'est plus large qu'un gobelet. C'est la meilleure. C'est un truc de malade. Même Forza, il est fort pour aussi grosse. C'est malade aussi comment c'est. C'est que des larges. C'est des largeurs. C'est ça qui est ça. Voilà, c'est lui qui l'écrit. C'est lui qui peut tout poser. C'est lui qui a designé le kit en fait. C'est quelque chose. C'est une électrique quoi. Et les grands panneaux solaires. Putain ouais. Panneau solaire le truc. Quand même le volant ça a l'air d'être spécial. Ah, celle-là, tu lui fais un polish. La couleur, elle est phénoménale. Ah Valentin, t'as déjà eu ? Ouais c'est bon. Putain je t'avais pas vu en plus. Ouais mais... Ça les vrais savent ça. Les vrais savent la valeur de cette chose. C'est ça qui est la vérité hein. Petit cochon, petit cochon. L'ami Estevez, qui ne change pas. Il aime bien se foutre de la gueule des BMW. La BMW a C'est pas bien ce que tu fais. C'est vraiment pas bien ce que tu fais. Ça va ? Comment tu vas ? Tranquille ? Ça va bien ? Ouais, ça va, mon gosse. Ça suit bien le personnage, là, ça. Bonjour. Salut, ça va ? Un joli convoi. Il est plus violent que ça. C'est pas la même chose. On a démarré la petite C63 à l'ami Kevin là, voir ce que ça donne. Bonjour, enchanté, salut. Alors ici, où est-ce qu'il met sa clé à lui ? Ta clé, tu la mets où sur le C63 ? Tu la gardes et tu pousses. Ah, c'est le système de proximité. Kevin m'a dit, tu mets des gros coups jusqu'à 3000-3005. Et ensuite, tu vas attendre que ça claque assez fort. Donc là, ici, pas besoin de la mettre en mode race pour entendre les claquements, même en mode normal, c'est bon ? Elle est en race. Elle est déjà en race ? En race. Ok. Elle est toujours en race, il m'a dit.
franchement magnifique, merci à toi Kevin. Et t'as fait un très 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 bel achat là. Merci. Elle est là, elle reste vivante entre guillemets. C'est vraiment quelque chose. Et voilà, on continue à prendre de la valeur. Ce qui est chiant, c'est les entretiens sur le BM, ils sont chiants. Là il m'a mis le mode. Je laisse imaginer les gars la sensation d'un bruit d'AMG, nous qui font les BM. C'est vraiment quelque chose. Le cœur de la bête. Un beau moteur AMG. C'est un 2 GZ à la Fast and Furious. Merci à Daniel Schnabel pour ses beaux cash. Qui suit toutes les stories sur Insta. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Classe à Dallas. Franchement les gars, si vous l'avez pas sur Facebook, je vous invite à l'ajouter. Hein. Kevin Estevez sur Instagram aussi. Sur la vitre arrière. N'hésitez pas les gars, c'est comme ça, K-Est. Comme vous avez là-bas là. K-Est sur les plaques. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Pour l'Insta, il est ici. Si vous voulez voir un mec qui pilote et qui a pas peur avec des vraies voitures. Ce qui est rare aujourd'hui, franchement. Mieux de rentrer à la maison, on se dirige où, les gars ? Oh, il y a du monde de fou. Félicitations à tous les participants parce que franchement toutes les caisses que j'ai croisées ici c'était des projets de ouf. Donc vraiment au top du top. Merci à vous pour avoir regardé la vidéo et je vous revois très bientôt les gars. N'oubliez pas de liker, vous abonner si c'est pas encore fait et passez une très bonne journée. Ciao ciao.